Des hommages rendus au grand chef Kondji Waki Alwé Kabangé, décédé depuis le 16 juillet dernier, un culte d'action des grâces a été organisé ce dimanche en sa mémoire dans la ville de Lubumbashi. Ce grand chef du Haut-Lomami a su marquer les esprits de plusieurs personnes qui gardent de bons souvenirs de lui. Différents témoignages ont été donnés au cours de ce culte d'action des grâces organisé ce dimanche, 28 novembre 2020, en mémoire de feu le grand chef Kondji Waki Alwé Kabangu, grand chef de la collectivité des Kayumba du territoire de Malembankoulou dans le Haut-Lomami. Parmi les témoignages reçus, on a noté entre autres celui d'un de ses fils ainsi que celui d'un des membres de la communauté qui ont salué la mémoire d'un père responsable et celui d'un grand homme qui a longtemps servi avec dévouement et abnégation l'État congolais. Homme intègre, organisé, discipliné, autoritaire et sévère, il a rendu d'énormes services à la RDC en général et plus particulièrement à sa chefferie par ses multiples actions de développement. Caché sec. Grâce à Nani. Donc, moi, je suis allé à Léo, je suis allé à le diplôme de la Pokéa. Il y a un caché sec, tant que mon ministère, Dieu, il y a tout l'été, mais celui qui a réfléchi, qui a pensé à ça, c'était un seul homme qui a proposé au ministère, c'est l'homme Kondji. Notez que tout au long de ce culte d'action des grâces, l'assistance a prié et chanté, mais a surtout rendu des actions des grâces à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a appelé auprès de lui le grand chef Kondji Waki Alwé Kabangu, né le 14 février 1938 à Kitunka, est décédé le 14 juillet 2020 dernier à Lubumbashi, soit à l'âge de 82 ans. Que son âme repose en paix.